Bon, allez, on va arrêter là. Mission l'échappe et la forge. Maintenant que c'est réglé, j'ai quelqu'un à te présenter. Qui ça, au juste? La dernière fois, demain justement, voilà, c'est parti. Il te faut quelque chose? Le compte y est. Voilà. Merci. Reviens quand tu veux, l'ami. Là, ça c'est bon. Quentin, mon bon ami, j'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain. Si vous voulez. Tu as une nouvelle recrue. Ah, lui? On n'a qu'à dire ça. Ouais. Voici Quentin. Une vieille connaissance, c'est un partisan de notre cause et de nos idéaux. Un partisan? Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté. C'est plutôt courageux. Surtout au beau milieu du territoire sambrequois. Disons que je veux bien donner un coup de main, tant que ça m'aide pour mon projet. Dans ce cas, j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu. Personnellement, non. Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers. Je vois. C'est dommage. Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu. Vous devriez aller leur poser la question. Oh, vous vous inquiétez de votre marque, c'est ça? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur maître par ici. Et donc, vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre, je me trompe? Même les pourvoyeurs enrôlés dans l'armée ont à peine plus de droits. Par chance, comme c'est Sid qui vous amène, je suis prêt à vous aider, à titre exceptionnel. Prenez ceci. Vous verrez que cette broche a l'étrange pouvoir de délier les langues. Je vous souhaite bien du courage. Salut Tokita. Quentin est bien plus qu'un simple tavernier à la nef. C'est lui qui fait la loi ici. Vraiment? Cette broche est le signe qu'il te soutient. Du coup, les gens du village sauront qu'il faut pas te contrarier, si l'homme le plus puissant du coin te protège. Bref, avant de dormir, on va se séparer et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire. C'est parti. Allez. Allons interroger les gens du coin. Thank you.
je vois rien. La broche de Quentin. Il doit vous tenir en estime, lui aussi. C'était vraiment courageux de votre part, de sauver tous nos camarades. Si vous nous aviez pas secourus, j'ose pas imaginer ce qui serait arrivé. On nous aurait emmenés, séquestrés. À propos, y avait-il un émissaire parmi vous? Un émissaire de feu? Je crois bien, oui. Il était prisonnier avec nous au début. Je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait l'air jeune et portait une robe avec une capuche. Vous ne savez rien d'autre sur lui? Ah. Maintenant que j'y pense, il me semble qu'il était accompagné d'une servante. Mais j'en sais pas plus. On a été séparés ensuite et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça. Je vois. Merci. Perdu. Bordel, comment on va faire pour sortir? Mais what the fuck? Ici. Donc, il faut aller. J'ai tellement de sombre dans mon jeu que je vois rien, donc Ah, Messire Quentin a l'air de t'avoir à la bonne, je vois. C'est toi, non, la nouvelle recrue de Cid? Gab a fait beaucoup pour mes camarades. On est reconnaissant. Et si tu veux bien, transmets-lui mes salutations. C'est entendu? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le-moi. On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que c'était réellement un émissaire... Enfin, les Valdois avaient l'air de s'intéresser de très près à lui. J'ai bien l'impression qu'eux pensaient que c'en était un, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Malheureusement, non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Voyons ce que Cid a découvert. Alors, mon bon Clive, t'as du nouveau ? Donc, un jeune type avec une capuche
et une femme qui l'accompagne. Je crois bien que j'ai compris. Ouais. Quoi donc ? Quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher ? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Elle a été prise en otage ? Et pourtant, ce type n'a pas paniqué malgré la situation. De ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres, s'il le souhaite. J'en déduis que notre homme doit avoir un sacré sang-froid. Il est prudent, sûr de lui, et il veut rester discret. Ça m'intrigue, tout ça. Je pense qu'on a bien fait de se renseigner. Bref, on a bien mérité une bonne nuit de repos après tout ça. Restons-en là ce soir. Quentin a dû nous préparer des couchages pour la nuit. En route. Bon, t'as des lits pour nous ? Non. Ce n'est pas un hôtel ici. Je ne vous ai jamais promis de lit, moi. Vous n'avez qu'à dormir par terre, là où il y a de la place. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci, Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire ? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Les Valdois qui nous ont attaqués ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la grande route. Et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Oui, ça m'a bon. Ça fait cher payé pour une nuit. Quentin est dur en affaire. T'es prêt à partir ? On y va ? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort Norvan au milieu de la nuit. Alors allons-y. D'accord, on y va. On prend par le sud ? Ou bien... Je connais un raccourci ? Là, tu rêves un peu. Pourvu que nos amis soient sains et saufs. Si les Valdois ont attaqué le fort, des soldats doivent patrouiller pour éviter toute mauvaise surprise. Alors restons vigilants. Aucun problème. Quelle mouche a piqué les Valdois ? Pourquoi donc avoir eu l'idée de prendre Fort Norvan ? Attaquer un fort en plein territoire ennemi, c'est long. On va tout cracher, cette idée. Le roi ? Barnabas dirige lui-même l'armée. Ils ont une telle pression que même l'élite a peur des sanctions. Alors, hors de question d'échouer. Les voilà ! Vas-y, ta gorge ! Allez, me prendre ! Vas-y, me prendre ! Allez, me prendre ! Vas-y, ta gorge !
Allez, moi. Vas-y. Allez, on est reparti. On continue. Regarde, Clive, c'est Fort Norvan. Ça va pas être simple si tu veux mon avis. Tout ce qui compte, c'est de trouver l'émissaire. Voilà, c'est bon. Là, on continue. Crois-moi, j'adorerais leur faire passer le goût du pain, mais je crains qu'on doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Sid. Tu sais pourquoi je suis là. Mais toi, quel est ton but? Pourquoi risquer ta vie pour une poignée de paria? Beaucoup sont la propriété de l'État, et s'ils s'en rendent compte... Ma tête finira sur un pieu. Mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement, comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Sinon, tu connais bien cette Benedicta. La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie. Ne la sous-estime pas, Clive. Si tu tiens à la vie, je te déconseille d'affronter son primordial. Garuda, gardienne du vent. Eh ben dis donc.
Mais putain. Talan est perdu. Les orques ont la main mise sur les territoires orientaux. Mes hommes seront prêts dès demain midi. C'est pas la peine. Et pour les mines alors, sans adamantite, les mines auraient fini par succomber au fléau noir. Et puis, je t'ai déjà donné des ordres. Oui, mon roi. Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter. Notre monde se meurt sans l'éther qui le nourrissait. Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des cristomères, avides de leurs bienfaits. Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits nous ravagent de l'intérieur et nous conduisent à notre destruction. Je sais que vous faites le nécessaire. Je rassemble les émissaires afin de mettre un terme à ce conflit et de fonder un nouveau monde qui assurera notre avenir. Redresser le cours de l'histoire, c'est une mission pour moi. Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolphus. Encore lui. J'ai comme l'impression qu'il te manque. Mais... bien sûr que non. Mon roi. Je suis à vous. Seulement à vous. Je me rappelle le jour où tu es venu ici pour la première fois. Ta petite main qui serrait la sienne, comme si ta vie en dépendait. C'était il y a bien longtemps, tout ça. Oui. Ta main est tout ce dont j'ai besoin. Là. Et à jamais. Tôt ou tard. Tous comprendront les enjeux réels. Alors ils sauront qui œuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres. Reste près de moi. Mon destin est le tien. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Vos ordres. Postez nos hommes à l'intérieur, Geralf. Il serait ici, alors. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. Tu ne m'as donc pas oublié. Hop. C'est bon.